sonorité de cette belle chanson interprétée par la star du rail, Cheb Bilel, à qui on dit bonjour et je suis certain qu'il nous regarde chaque mercredi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver en ce mercredi 24 mai. Alors, c'est la dernière semaine du mois de mai. Eh bien, la semaine prochaine, on entamera le dernier jour du mois de mai puisque l'été s'annonce très bien, mais la température en ce week-end sera un petit peu clémente et tant mieux pour nous d'ailleurs. Eh bien, comme d'accoutumé, on commence notre feuille de route de ce matin, de ce mercredi, de la station régionale d'Oran avec toute l'équipe qui va vous accompagner jusqu'à 9h30 avec Maître Djamila Saber. Il sera question de parler aujourd'hui de la loi relative à l'investissement national et international. Et bien sûr, on aura la nutrition. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui commence à prendre un petit peu du terrain puisque ça va tourner autour de l'anorexie. Oui, aujourd'hui, on va parler de l'anorexie avec notre nutritionniste Feriel Merzour. Et bien sûr, nous allons parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui avec alors une personne, c'est lui, on va dire, qui un petit peu met en... on va dire en avant les avatars. Il adore ça. Donc, on va le suivre tout à l'heure. On va voir de quoi il s'agit. Et bien sûr, il y a la Gada Waharaniya. Le patrimoine continue chez nous. Il ne s'est pas arrêté le 18 mai, puisque ça continue toute l'année. On aura des bouts de femmes aujourd'hui, qui organise un événement pour le 26, c'est le Gada Waharaniya, que ce soit le décor orané, que ce soit les mets oranés, les gâteaux oranés et surtout à l'honneur, le blues à Waharaniya. Et bien sûr, la dernière ligne droite de cette feuille de route aujourd'hui, eh bien, ça sera de Tlemcen. Il y aura des invités de Tlemcen avec Djellul Khalfat, l'organisateur de la semaine de la Kuitra, cet instrument qui fait parler de lui ces dernières années. Et bien sûr, c'est un instrument qui fait partie d'ailleurs des instruments algériens. Et bien sûr, on commence toujours par une belle chanson tirée du terroir orané aujourd'hui avec Blewi Louweri, Lgada Louharani.
une très belle chanson oranaise. Il a fait Blaoui Houari, Rabbi Yerhmo, a fait le tour d'Oran, que ce soit. D'ailleurs, ça nous a fait vraiment plaisir de voir des endroits typiquement oranais, du village nègre. C'est Mdine Jdida actuellement. Alors, on a vu Tahtaha, on a vu les magasins, on a vu les anciennes rues d'Oran. Ça a changé depuis, mais quand même, ça reste toujours un bon souvenir de revoir Oran sur son état brut. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, eh bien, ça tournera aujourd'hui avec Maître Saber Djamila. Alors, aujourd'hui, sur la nouvelle loi relative à l'investissement national et international. Bonjour. Bonjour Imane, Ça bonjour va? chers téléspectateurs. Alors, je vois aujourd'hui que vous n'êtes pas aussi dynamique que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas pris de café ce matin? Si, 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 le matin. Ça dépend. Peut-être qu'il y a un cumul de fatigue, voilà. Donc, mais Et ça va normalement, reprendre, normalement, bonjour d'Algérie, vous n'êtes pas Non, fatigué, non, hein? non, je vais me Ça y est, lancer, vous c'est avez bon. le. Très bien, alors aujourd'hui, ça tournera autour de la nouvelle loi à l'investissement, on va dire, national et international. Tout à fait, donc c'est une loi. Alors déjà, Ouais. quelle est cette loi relative? Alors, c'est une loi donc qui vient en modifiant et complétant la loi donc de 2016, c'est-à-dire 1609, c'est la loi 22, l'actuelle 2218. Donc c'est une loi quand même qui a été assez attendue et scrutée surtout par les étrangers. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui veulent investir, qui ont voulu investir en Investir en Algérie. Il Algérie. y a eu, bon, pour eux, il y a eu certains obstacles, donc administratifs, légaux et tout ça. Mais cette loi est venue pour rétablir la confiance entre les investisseurs, surtout investisseurs étrangers, et le gouvernement algérien. Donc, on va voir que cette loi a ramené donc beaucoup d'avantages pour les investisseurs étrangers. Donc, c'est-à-dire sur tous les plans, que moi, en l'analysant, j'ai pu les classer en quatre volets. Donc, il y a le volet, c'est-à-dire le premier volet, c'est rétablir la confiance. C'est-à-dire comment rétablir la confiance entre le gouvernement algérien et les investisseurs étrangers, c'est-à-dire en facilitant les procédures, c'est-à-dire déjà, c'est-à-dire, ils ont créé ce qu'on a, il y a une nouveauté, c'est le guichet unique. Alors, c'est quoi le guichet unique? Le guichet unique, on va le retrouver dans pas mal de lois. Alors là, Ouais. c'est que quand on dit la loi relative à l'investissement national et international, bon, ça, l'investissement national, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème parce que c'est Algérie, Algérie. Donc, quand c'est des Algériens qui investissent dans leur pays, c'est tout à fait normal. Mais quand il y a un étranger, c'est toujours la loi 49-50, c'est ça? Non, c'est-à-dire la règle 51-49. Exactement, voilà, 51-49. 51-49. J'y arrive, j'allais venir. Ah, d'accord, C'est ok. parmi les avantages de cette loi. Ah, d'accord, Voilà. voilà. Parce que là, c'est très avantageux, hein. Tout à Très fait. C'est bien. parmi les avantages, c'est-à-dire il y a la suppression de cette règle pour certes, c'est-à-dire La normalement, suppression de cette règle, ah oui, bon? mais sauf pour certains secteurs stratégiques. Ah, d'accord, Voilà, ok, je vais très bien. expliquer. Donc, Voilà. on y arrive. Voilà. Donc, parmi. C'est Moi, pour j'ai ça que brûlé les étapes un Tout petit à peu. fait, comme d'hab. Comme d'habitude. C'est pour ça que je vous ai dit, cette loi, en l'analysant, moi, je l'ai, tous les avantages et tout ce qu'elle a ramené de nouveau, donc je l'ai classé en quatre volets. Le Oui. premier volet, c'est regagner la confiance des investisseurs étrangers, déjà, c'est-à-dire déjà en créant le guichet unique. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est quoi un guichet unique? Voilà, C'est-à-dire, c'est. on va le retrouver dans pas mal de lois, c'est-à-dire quand il y a un fournisseur, il y a plusieurs services pour qu'ils ne soient pas éparpillés dans plusieurs administrations, donc on les rassemble, on les regroupe dans un même guichet, c'est-à-dire pour faciliter l'obtention, par exemple du permis de construire, d'un document. Il y a aussi la création d'une plateforme numérique pour les étrangers, c'est-à-dire ils peuvent retirer, même pour les nationaux, ils peuvent retirer des documents, faire des simulations d'investissement, des évaluations et tout ça, ça va beaucoup faciliter de loin aussi. Il y a ça, donc il y a l'obstance. Alors après, on va voir, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'octroi. Il y a des facilités, il y a par exemple l'octroi, c'est-à-dire les étrangers actuellement peuvent octroyer des lots de terrain.
Sur le plan français, il y a beaucoup, c'est-à-dire s'ils veulent. Est-ce que ces lots de terrain sont à leur nom? Oui, oui. Ou alors, par exemple, une société qui fait une délocalisation ou fait un transfert d'activité ou autre peut, c'est-à-dire, octroyer des lots de terrain et tout ça pour construire. Mais il y a des règles, c'est-à-dire, c'est encadré par un cadre juridique bien précis. Mais c'est une grande avancée, c'est un grand avantage pour les étrangers. Chose qui ne se faisait pas dans l'ancienne loi avant, de 2016. Exactement, oui. Voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi, donc il y a par exemple la suppression, voilà, de la règle 51-49. Voilà. Donc l'historique de cette suppression de cette loi, on l'a vu déjà au niveau de l'article 49 de la loi de finances complémentaire de 2020. Ça a commencé, c'est-à-dire où elle commençait à accorder des avantages aux investisseurs étrangers. Donc cette loi, elle est supprimée pour certains secteurs, mais elle reste, elle existe pour d'autres qui sont des secteurs stratégiques, par exemple les secteurs miniers. Donc elle reste tout ce qui est pétrolier, hydrocarbures, voilà, en sous-sol et tout ça reste, la règle 51-49 reste, mais pour d'autres secteurs, par exemple, elle a été supprimée. Par exemple, il y a aussi... Ça dépend les secteurs. Tout à fait, les secteurs stratégiques, on n'y touche pas. Très bien. Voilà, l'État algérien, c'est-à-dire, il veille, voilà, donc elle a facilité pour certains secteurs, qui est quand même assez... C'est un avantage assez important, quand même, avec cette nouvelle loi et tout ça. Donc, ensuite, il y a eu la suppression de la préemption de l'État, de ce qu'on appelle, c'est-à-dire avant la loi, au niveau de la loi de 2016, l'État avait beaucoup d'avantages sur tout ce qui était investi, c'est-à-dire en Algérie, par rapport aux étrangers. Okay. Actuellement, l'État a cédé ses avantages, c'est ce qu'on appelle la préemption, la suppression de la préemption de l'État. L'État a cédé pas mal d'avantages à ces étrangers qui veulent investir, délocaliser leurs activités en Algérie, sur le sol algérien et tout ça, a cédé beaucoup d'avantages et tout ça. Donc il y a ça, il y a aussi beaucoup d'avantages sur le plan fiscal et parafiscal aussi. Donc même la domiciliation bancaire, pour certains qui font une délocalisation, n'ont pas besoin de faire des formalités du commerce extérieur et tout ce qui est domiciliation bancaire. Non, ils peuvent garder ce qu'ils ont et leur domiciliation bancaire à l'étranger et faire leur délocalisation. Donc là, on constate qu'il y a énormément d'avantages. Il y a aussi ce qu'on appelle pour les nationaux, il n'y a plus d'ANDI, mais il y a ce qu'on appelle le AAPI, c'est-à-dire l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement. D'accord. Voilà, donc c'est plus avantageux pour les nationaux, c'est-à-dire c'est plus simple aussi. Alors, et quelles sont les tâches de cette... Donc, pour les nationaux qui veulent investir, ils vont voir ce qui se passait avec l'ANDI. Alors, les nationaux, ceux qui habitent résidents en Algérie, et ou non-résidents aussi. Et non-résidents aussi. Ils peuvent, c'est-à-dire venir en Algérie et faire déposer leur dossier d'investissement s'ils ont un projet d'investissement quand même qui est assez intéressant, qui est assez... Ce sont les mêmes démarches? Tout à fait, pratiquement. Non, c'est encore, ils ont facilité encore plus. Les démarches. Il y a plus de, avant, les gens se plaignaient d'une certaine bureaucratie. Exactement. Et donc maintenant, c'est plus simplifié. C'est pour ça, ce que j'ai dit au début, ils ont installé une plateforme numérique. C'est-à-dire, les gens qui veulent investir, qui soient nationaux ou étrangers, ils peuvent accéder à cette plateforme. Par exemple, nos jeunes, résidents, ils peuvent accéder à cette plateforme, ils peuvent faire une simulation, évaluer leur investissement, ils peuvent tout avoir. Hein. Il y a plusieurs options sur cette plateforme. Aussi, il y a ce qu'on appelle le guichet unique. Alors, question d'investissement, donc l'Algérie, la loi, je pense, 4, donc tous les investisseurs étrangers, c'est-à-dire leur investissement sur le sol algérien, ne doit pas dépasser 3 ans. Ah. Sauf quand il s'agit de construction et tout ça, il peut être étalé à 5 ans. D'accord. Voilà. Parce qu'on a vu auparavant... Alors, attendez. Oui. Expliquez-moi
cette loi, on va dire cet article de la nouvelle loi relative à l'investissement. Vous m'avez dit 3 ans. Ensuite, ça peut être étalé à 5 ans. Alors, attendez, ce 3 ans, c'est que l'étranger, il reste ici en tant que résident en Algérie pendant 3 ans et après, il repart. Non, c'est pas non, ça. C'est pas ça, voilà. Il peut résider autant qu'il y a son activité. Donc, il y a une démarche au niveau des services des étrangers. Donc, même les employés, leurs cadres, mm-hmm. qui sont. Donc, ils ont c'est-à-dire, on peut leur régler leur. Non, ça n'a rien à voir avec sa résidence. Là, par exemple, un étranger a un projet. Oui. Il le propose au gouvernement algérien, par exemple. Il l'accepte, c'est voilà, bon. Voilà, il passe et tout ça. Donc, il a un délai pour qu'il commence son projet. Son projet, c'est-à-dire qu'il démarre son projet et que son projet démarre, il a un délai de 3 ans. Ah, d'accord, ok, voilà. Très bien. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'il s'étale, il reste 10 ans, il n'y a rien. Il n'y a rien, voilà. Exactement. Parce qu'ils l'ont fait déjà. Hein. Oui, ils effectivement. Ouais, il y a eu même des sociétés fictives. Hein. Moi, on a eu des affaires comme ça. Des étrangers qui sont venus, ils ont créé des sociétés qui n'existent pas. Donc, ils ont pris l'argent, ils ont transféré l'argent et bye bye l'Algérie. Voilà. Donc, ils ont 3 ans. C'est-à-dire, et on compte ces 3 ans, ce délai de 3 ans, à partir de, c'est-à-dire le jour où il obtient son matricule. Donc, c'est une loi qui protège un petit peu les droits algériens aussi. Algériens hein? Et l'étranger pas un aussi. Un petit peu. Voilà. Il faut qu'ils respectent aussi. Exactement, voilà. Il faudrait qu'ils respectent. Et ces 3 ans, dans le cas où il n'arrive pas, c'est-à-dire il y a pour une raison quelconque, ces 3 ans peuvent s'étaler à 5 ans. Voilà. Donc, on peut lui rajouter 2 ans aussi. Donc, parce qu'il faut être très vigilant aussi, parce qu'il n'y a pas que les étrangers, il n'y a pas que des personnes qui ont de bonnes intentions. Ah, bah oui, de bonnes intentions. Voilà. Bah oui. On a vu. Hein. Il n'y a pas des personnes qui sont clean. Hein. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que tous ces investissements étrangers et même nationaux sont encadrés par des règles de droit. Voilà. Donc, dans le cas aussi où il y a un souci, il y a ce qu'on appelle le Haut Comité supérieur de l'investissement, c'est-à-dire qu'ils peuvent déposer leur recours, mais cela n'empêche pas, c'est-à-dire de saisir les instances judiciaires. Mm-hmm. Voilà, au cas où il y a un litige, c'est-à-dire avec une administration quelconque, avec un partenaire quelconque et tout ça. Donc, on remarque que cette loi, elle a été beaucoup approuvée par les étrangers. Donc, et apparemment, il y a eu beaucoup de demandes de projets et tout ça. D'ailleurs, c'est une loi qui encourage l'investissement tout à fait. En Algérie. Beaucoup, beaucoup, énormément, beaucoup. Donc, déjà, quand on voit la suppression, à part les secteurs, la suppression de la règle 51-49, voilà. À part, c'est-à-dire à l'exception de certains secteurs stratégiques, déjà c'est énorme et tout ça. Exactement, donc il y a beaucoup, beaucoup de facilités, beaucoup d'avantages à cette loi. Surtout en matière, on n'a pas le temps, sinon on serait étalé. On a en matière le temps aujourd'hui, ça va. En matière de fiscalité, parafiscalité aussi, il y a beaucoup. Aussi, domiciliation bancaire, elle est très importante. Ça parce que là on voit, mais sur la pratique, c'est fatigant, c'est usant. Ben avant, oui, parce qu'il y a plusieurs tout à fait. Tout à fait, plusieurs des démarches, étapes. Il faut aller à cette étape. Maintenant, tout est regroupé dans un guichet unique. Il y a ce qu'on appelle le principe du guichet unique. Mm-hmm. En plus, pour les gens qui font la délocalisation et ils font le transfert, ils n'ont pas besoin de créer une autre domiciliation bancaire d'appliquer les règles, toutes les règles qui concernent le commerce extérieur. C'est-à-dire, il y a une facilitation incroyable en matière d'investissement étranger, même les nationaux. Hein. Et donc, vous êtes satisfaite de cette nouvelle loi? Oui, beaucoup, énormément. Très bien, très bien. Mmh. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite explication sur l'investissement national et international. Eh bien, est-ce que vous aimez les asperges? Oui. Vous les cuisinez comment? À la vapeur et au vinaigre, une sauce, au citron aussi. Au citron aussi, en omelette. Tout à fait. Eh bien, je vous emmène avec moi découvrir les bienfaits des asperges.
je commence toujours à discuter avec nos invités. Bien, cette matinée, on reçoit notre nutritionniste adorable, Merci. Une nutritionniste, c'est docteur Feriel Merzouk. Alors, elle va nous parler aujourd'hui d'un fléau en os, la peur de s'alimenter qui peut conduire à la mort. Eh bien, c'est l'anorexie qui prend un petit peu du terrain, hein, apparemment. Oui. Ça va? Ça va, vous? Vous allez bien? Ça va, merci. Depuis la dernière fois? Oui, ça va. Très bien. Merci. Alors déjà, qu'est-ce que l'anorexie? Alors, l'anorexie est un trouble du comportement alimentaire. Mm-hmm. C'est refuser catégoriquement, pardon, de s'alimenter et volontairement aussi. C'est aussi l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle. On parle d'anorexie, c'est quand l'indice de masse corporelle est inférieur à 17,5. D'accord? Oui, comme d'habitude. Je vais essayer de parler Elle fort. Tout doucement. Voilà. C'est comme si on était toutes seules, comme ça. J'ai pris l'habitude, disons. Voilà, je ferai un effort. Excusez-moi. Donc, je disais, c'est quand l'IMC, l'indice de masse corporelle, est inférieur à 17,5. Et là, on parle d'anorexie. Donc, l'anorexie peut avoir plusieurs troubles. D'accord? Donc, parmi ça, donc, on a déjà un manque de concentration, une fatigue constante. Extrême, oui. Oui, des carences en nutriments, minéraux, vitamines. Calcium. Aussi, oui, ça fait partie des minéraux. Et aussi, donc, en protéines aussi. On a aussi, donc, parmi les troubles, je perds mes idées. Il n'y a aucun souci. Alors, l'anémie, voilà, j'allais dire. Donc, l'anémie qui est un taux bas d'hémoglobine. Et aussi une perte de cheveux, les ongles cassants, oui. Les dents sensibles, un système immunitaire qui est assez sensible. Oui. D'accord? Donc ça peut affecter la santé. La santé, voilà. La santé surtout. C'est plutôt ça. Et, oui. Et ça affecte la santé mentale et la santé physique aussi, hein? Alors, oui, bien sûr. Parce que ça y est, on ne vit plus notre vie, on n'est plus épanoui dans notre vie aussi. Et on s'en rend même pas compte. Exactement. C'est ça le problème. Là, c'est le problème. Parce que justement, voilà. Parmi les causes donc de l'anorexie, c'est généralement c'est d'ordre mental, d'accord, d'ordre psychologique. C'est la personne qui subit peut-être une dépression ou qui refuse volontairement de s'alimenter. C'est généralement distingué chez les adolescents. Exact. À partir de voilà. Elles veulent ressembler aux mannequins, par exemple. Oui. Voilà. Avec une taille 32, avec non, mais actuellement, je pense qu'ils ont changé carrément les mensurations. Oui, disons que ce n'est plus la mode d'avant. Exactement, ce n'est plus la mode d'avant, de la taille 32 avec des kilos. 32, c'est un bâton, excusez-moi. Exactement. Donc 34 à la limite, mais 32, c'est exactement. Voilà. Exactement, exactement. Voilà. C'est des bâtons. Voilà. Et après. Bon, mais justement, ce qui me fait peur, c'est les carences. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'esthétique, ce n'est pas que physique. Oui. Il y a des. Mais est-ce que déjà la personne qui souffre d'anorexie se rend compte que ce n'est pas uniquement esthétique? Eh ben, je vais vous dire une chose, la personne qui souffre d'anorexie ne se rend même pas compte qu'elle est anorexique. Pour elle, c'est une alimentation qui est tout à fait normale, équilibrée, et que tout va bien. Et c'est les troubles dont je parlais tout à l'heure qui la poussent à. Voilà, à voir qu'il y a quelque chose qui cloche, si on peut dire ça comme ça, d'accord? C'est quand elle voit que, voilà, elle perd ses cheveux, voilà, c'est généralement ça. Hein, de quoi elle perd ses cheveux? Parce qu'elle souffre d'anorexie, mais elle ne se rend pas compte qu'elle souffre d'anorexie. Elle commence à faire des mélanges, à faire des huiles, des bains d'huile aux cheveux. Mais le premier facteur qui est indicateur aussi, oui. C'est le poids. Lorsque Exactement. La personne perd du poids constamment, là, on parle d'anorexie, c'est-à-dire que là, il y a un moment où on tire un petit peu la sonnette d'alarme. Hein. C'est le poids, surtout, qui est le premier indicateur. Très bien. Alors, qu'est-ce qui cause justement cet état, on va dire? On a plusieurs causes. Oui, on a des causes. Bon, c'est comme je disais, c'est souvent d'ordre psychologique. Mm-hmm. Et puis, je vais vous dire. Lorsque ça ne va pas là-dedans, hein, je vais la faire. Rien ne va de toutes les façons. Oui. Et il y a deux types de réactions. Oui. C'est soit que la personne va se réfugier à l'alimentation,
elle va manger, ça va donner de la boulimie. On en parlera peut-être une autre fois. Ah bah oui, 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 ça c'est un sujet qui est très intéressant. C'est aussi un trouble. La boulimie, oui, c'est une maladie. Voilà. D'ailleurs, on vit avec des personnes. Généralement, il y a toujours dans notre entourage des boulimiques, des anorexiques aussi. Aussi, exactement. Mais on essaye, mais attendez, même l'entourage essaye d'étouffer ce fléau, hein. Malheureusement, alors qu'il faut sérieusement prendre en considération, parce que surtout quand c'est des adolescents. Exactement. Déjà qu'ils sont en pleine crise d'adolescence, voilà, il y a les hormones qui sont chamboulées et tout. Ouais. Et il ne faut pas encourager dans ce genre de comportement, que ce soit dans l'anorexie ou dans la boulimie. Mais comme je disais, pour revenir à l'idée, c'est-à-dire que soit donc la personne va se réfugier vers la boulimie, ou bien carrément l'inverse, l'anorexie. C'est-à-dire qu'elle va avoir une perte d'appétit et ne pas manger. Et le pire, c'est qu'elle ne s'en rend même pas compte. Exactement. Voilà. Alors, ça peut être aussi pathologique. Hein. Par exemple, lorsqu'on a l'hyperthyroïdie, là, il y a forcément une baisse d'appétit, ou bien une malabsorption. Ça aussi, ça peut induire l'anorexie. Voilà. Oui, oui. Donc, ce sont parmi les causes primaires de cette, on va dire, c'est un fléau. Oui, oui. C'est une maladie, c'est un fléau, c'est un état. Exactement. On va dire. Alors, et que conseillez-vous, justement, point de vue correction alimentaire? Bon, on va déjà, on n'en parle plus, l'assiette saine, équilibrée est recommandée à tout le monde. À tout le monde, exactement. Mais avec l'anorexique, on va parler plutôt de la façon de manger, pas quoi manger. Manger, ça, on sait à peu près ce que c'est, protéines, légumes, des fibres, des produits laitiers, des fruits, d'accord, ça c'est connu, c'est bon. C'est connu. Mais par contre, il faut aussi avoir, déjà commencer par une petite quantité, parce que la personne est habituée à ne pas manger, on ne peut pas la brusquer avec de grosses quantités, ça ne va pas être possible. Impossible. La deuxième des choses, c'est de fragmenter aussi les repas. J'allais dire, c'est en fraction. Exactement. Trois repas principaux et deux à trois petits snacks, ça peut le faire. Très bien. Aussi, de prendre un complexe multiminéral, multivitaminé, pour combler les carences. Alors, mais est-ce que, déjà, la personne qui souffre d'anorexie va un petit peu s'amender à cette, on va dire, à ce programme? C'est ça le problème. Il y aura toujours un déclic qui fera que l'anorexique commencera à se poser des questions et décidera, ou bon, décidera, c'est le meilleur des cas, ou peut-être qu'on va lui imposer de changer d'alimentation. Alors, et comment se fait justement l'anorexique, l'alimentation de l'anorexique, puisque c'est fragmenté, donc c'est en plusieurs prises. Alors, que conseillez-vous dans l'assiette, on va dire, ou alors point de vue alimentaire? Alors, avant ça, parce que je vais répondre à deux questions en une si vous voulez. Très bien. On ne commence pas par les liquides. Très bien. L'eau, les soupes et tout, pour ne pas combler le volume du petit estomac, de l'anorexique en liquide. La deuxième des choses aussi, c'est qu'il ne faut pas commencer par les aliments qui sont durs à mâcher. Parce qu'il faut savoir que la mâchoire envoie un signal au cerveau à partir de 20 minutes de mastication, comme quoi c'est bon, on n'a plus faim. Et il y a certains aliments, comme par exemple le chou, la salade, la laitue, qui demandent beaucoup de temps. Moi, j'aime beaucoup la laitue, d'ailleurs. Mais c'est pas anorexique, mais tant mieux, d'ailleurs. Non, pas du tout. Voilà, excellent. Non, oui, pas c'est du très tout, bon non. aussi, c'est riche. Mais c'est très bon pour la santé, bien d'ailleurs. Bien sûr, excellent. Mais alors, pour revenir à l'anorexique, donc, s'il va passer, si elle va passer, donc la personne, tout son temps, toutes les 20 minutes à mâcher, donc elle va avoir cette sensation de ne plus avoir faim alors qu'elle n'a rien mangé. Effectivement. Donc, je conseille de prendre des aliments cuits, de préférence. Et puis, les aliments, donc, tout ce qui est dur, je conseille donc de le laisser au milieu ou fin de repas. De repas. Et ce n'est pas très conventionnel. Nous, on a l'habitude, donc, entrée, plat et dessert. Oui. Voilà. Non, alors là, c'est chamboulé. Qu'on inverse un petit peu la donne. C'est ça. Pour un début. Oui, pour le un début. Le temps que la personne s'habitue à avoir un certain quota. Donc, et après, ça y est, elle pourra reprendre les habitudes alimentaires normales. Mais sinon, donc, point de vue assiette, il n'y a pas de problème. Donc, comme je le disais, il faut prendre un maximum de protéines. C'est très important pour le développement musculaire. Il faut aussi
prendre des légumes. Alors, les légumes de saison, de préférence, ben d'accord, oui. Cuits, pas crus. Aussi, donc, les fruits, hein, pareil. Et puis, par exemple, si on prend l'exemple de la pomme qui est aussi difficile à mâcher, pourquoi pas la faire en compote, hein, ça fait très oui, bien. C'est beaucoup ça mieux. A deux fruits, donc c'est déjà pré-coupé, donc voilà, ça facilitera, d'accord, la mastication. Et voilà, donc les produits laitiers, donc qui sont aussi riches voilà, en calcium, il n'y a pas de problème. On peut, les fibres aussi, c'est très important pour avoir un bon transit, mais pas trop pour un début, parce que ça va gonfler, donc au niveau de l'estomac, voilà, donc pour ne pas saturer le volume de l'estomac. Vous avez reçu des malades anorexiques? Je ne dirais pas 50-50, mais peut-être 40%. Voilà. Voilà. Et ça ne se voit pas. C'est-à-dire on est plus préoccupé par les obèses que les anorexiques, alors que ce sont deux cas où il faut vraiment faire attention aussi bien pour l'un que pour l'autre. D'accord. Voilà. Alors là, ben voilà, c'est une souffrance d'ailleurs oui. De ces personnes. C'est une souffrance, on va dire, silencieuse. Exactement, exactement, tout à voilà. fait. Mais oui. il faudrait intégrer même et impliquer, on va dire, les parents, la famille, parce que si on ne se rend pas compte que son enfant ou sa sœur ou sa mère ou souffre d'anorexie, c'est que vraiment on est complètement à côté de la plaque. Oui, ça peut être néfaste pour la santé. En oui. plus, à 14 ans, on n'a pas la maturité pour se rendre compte et de savoir ce qui est bien ou pas pour soi. Donc, il vaut mieux être accompagné, bien sûr, par un parent, que ce soit direct ou bien, comme vous dites... Ou indirect. Voilà, indirect. Très bien. Alors, et on dit aussi que c'est une maladie qui frappe beaucoup plus les femmes que les hommes. Oui, soucieuse. De l'apparence, donc de oui, l'apparence. Ben exactement, oui, oui. C'est ben plutôt oui, féminin comme, ben comme oui. fléau, mais ça existe aussi, c'est rare, mais ça existe aussi chez l'homme. Elles aiment bien ressembler à Claudia Schiffer ou, on va dire, à Linda Evangelista ou Naomi Campbell. Oh oui, d'accord, mais bon, il faut avoir une bonne santé, mesdames, mesdemoiselles aussi. Surtout. Donc, il n'y a pas de souci, donc il faut manger, on s'en fout de toutes les façons. L'essentiel, que nous, on s'y plaît. On s'en fout, Heidi Schmitt. Non, on s'en fout. Non, attendez, on s'en fout de cette taille de 32-34, hein. Très donc, bien. L'essentiel qu'on parce soit que j'allais dire, j'insiste aussi, parce que lorsqu'on se rend compte que voilà, il y a un problème, on est dans l'anorexie, il ne faut pas manger n'importe quoi. Ben oui. L'idéal, c'est de prendre en muscle, pas ah en ben gras. Ça, c'est la nutritionniste qui va. C'est pour ça que... On s'en fout pas. Non. Même, attendez. Hein, on lâche prise. Oui, mais on s'en fout. Là, parce que, exactement. Là, donc, il faut se surveiller quand même. Hein. Non, il faut bien manger. Pour avoir, exactement. Même lorsqu'on veut avoir une taille fine, comme toutes ces actrices dont vous venez de citer, oui. il vaut mieux prendre en muscle, très pas bien. En gras. Parce que eh oui, en voilà. gras, on va basculer vers l'autre côté. Donc ça va être un cercle vicieux. Exactement. Donc, un juste milieu, voilà, une bonne prise musculaire pour avoir un poids santé et ne pas avoir de pathologie, ça c'est vraiment l'idéal. D'où la nécessité d'un bon nutritionniste, comme notre nutritionniste Friel Melzour. Alors c'est toujours un plaisir de toutes les façons. On aimerait bien vous recevoir sur d'autres plateaux, sur d'autres sujets qui sont avec en plaisir. Rapport avec l'alimentation. C'est avec un énorme plaisir. Plaisir partagé, merci beaucoup. Très bien, alors que dites-vous si on se fait une petite escapade musicale? J'aimerais beaucoup. Alors, très bien, une escapade musicale et on se retrouve juste après. Thank you.
Exactement. Eh bien, voilà, moi, je commence toujours avec mes invités. C'est un petit défaut, on va dire. Ça m'allège. Très bien. Alors, nous avons avec nous un créateur digital, on peut dire ça? Entre autres, oui, absolument. L'intelligence artificielle qui est venue en elle-même. Elle est là, présente avec nous, avec notre invité, Wahid Amir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci beaucoup, ça va. Merci pour l'invitation. Alors, je vois, vous êtes très à l'aise. Ah oui, très, très. À vrai dire, j'ai un peu l'habitude, c'est pour ça. Ah, ben j'ai déjà voilà. passé la semaine passée. Et puis, oui, voilà. On commence à prendre un peu l'habitude. À la télévision algérienne. Oui, absolument. C'est toujours un plaisir et c'est toujours une fierté d'être parmi vous. Eh bien, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Nous sommes contents de partager avec vous ce petit moment, on va dire, d'intelligence artificielle, voilà. Puisque vous, déjà, vous êtes beaucoup plus dans les avatars, on va dire. Absolument. Bon, quand on dit avatar, on ne fait pas référence au film Avatar, parce qu'en fait, mes avatars ne sont pas verts. Je vous assure. Alors, quand on m'a dit Avatar, paf. C'est une réflexion. C'est... Voilà. Absolument. Alors, comment êtes-vous arrivé justement à faire des avatars? Absolument. En fait, oui, je tiens à préciser. On dit que les personnes qui font des avatars, on va dire, et qui s'imaginent justement ces avatars, ce sont des personnes qui ont une très grande imagination. Oui, de toutes les façons. Vous êtes resté dans le coin petit enfant, c'est ça? En fait, je suis plutôt resté dans ma spécialité parce que je suis informaticien de formation. Donc, c'est un peu une continuité de ce que je faisais. Tous les informaticiens sont en train, je pense, gagner beaucoup de terrain parce que l'intelligence artificielle est en train de, justement, et ça commence à être très inquiétant. Très inquiétant, on va dire. J'irai pas jusqu'à le dire parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, comme toute chose, a de bons côtés et de mauvais côtés, selon l'utilisation aussi. Attendez, alors le bon côté, c'est quand on a, on va dire, un petit robot, pas robot, attendez, c'est un... D'ailleurs, je ne peux pas citer de marque, puisque quand on a, on va dire, une petite machine qui cuisine à notre place, et en une heure, on a un repas complet. Ça, c'est bien, on va dire, hein. Ça, c'est même très bien. Mais en fait, c'est magnifique. Ah oui, c'est très bien, c'est très utile. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle part au-delà de ça. Là, on parle d'un équipement d'électroménager. Exactement, voilà. Là, en termes d'intelligence artificielle, on peut aller plus loin parce qu'en fait, l'intelligence artificielle est capable de prendre des décisions et est capable, entre autres, d'imiter l'intelligence de l'être humain. D'ailleurs, d'imiter, on va dire, de le dépasser. Je n'irai pas dire jusqu'à le dépasser parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ce seuil. C'est vrai qu'il y a une avancée technologique très importante, surtout ces derniers mois. Attendez, alors là, c'est que je vais vous arrêter un petit peu et reprendre avec vous parce que là, quand on m'a dit intelligence artificielle, ah, c'est bon. Alors, j'ai vu dernièrement, d'ailleurs hier ou avant-hier, sur le net, au Japon, une supérette où à minuit, il n'y a personne. Oui. Je vous dis personne. Ouais. Mais c'est une supérette qui est ouverte. Oui. On peut faire ses emplettes à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Il n'y a pas un seul caissier, il n'y a pas un seul agent. Donc, il n'y a que des machines qui calculent. Absolument, absolument. En fait, ça commence à se répandre même aux États-Unis. C'est inquiétant quand même. Moi, je vois ça comme une bonne chose. D'ailleurs, je pense qu'il est temps un peu de rentrer un peu dans le bain parce que c'est l'actualité, c'est la tendance actuelle. Il faudrait quand même qu'on rentre dans le bain, il faudrait qu'on soit à jour pour ne pas être dépassé, tout simplement. Donc, j'allais rebondir sur ce qu'on fait par rapport à l'intelligence artificielle. Comme je disais, en réalité, l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes ou alors c'est des techniques qui servent à imiter ou alors à reproduire l'intelligence humaine. Après, qu'est-ce qu'on fait à Smart Consulting DZ? On s'appuie sur cette technologie pour créer des avatars. Quand je dis avatar, ce n'est pas nécessairement vert, comme je disais. Oui. C'est des avatars, on appelle ça des avatars, c'est des personnes... C'est des personnages qui sont générés par l'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont des personnages vrais?
Non, pas nécessairement. Que vous transformez un petit peu. Absolument. Mm-hmm. Absolument. En fait, je vous explique concrètement comment que ça va se passer. Oui. Si on a un client qui voudrait mettre en avant son produit, oui. Qui voudrait vendre son produit, qui veut mettre la publicité sur le produit ou communiquer tout simplement sur son produit, oui. Il va nous dire, voilà, il nous donne du texte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va, le texte qu'il nous donne, on va le transformer en speech pertinent, oui. Pour que ça soit bien perçu par ses clients, okay. Pour ses internautes et ses clients. Et puis voilà, avec le texte, on va le transformer en vidéo. À travers des avatars, à travers des personnages. Quand je dis encore une fois avatar, c'est des personnes comme moi, comme vous, oui. Qui sont habillées en costume, que ça peut être un médecin, comme ça peut être monsieur tout le monde, une femme ou un homme, oui. Qui va parler, qui va articuler avec une gestuelle qui est très, très humaine et très naturelle, qui va parler du produit de, qui va parler du produit de cette marque. Pourquoi je vous dis, il faut vraiment être à jour? Parce que avant, oui. Pour faire cela, il fallait un studio comme le vôtre, comme cet agréable studio sur lequel on est aujourd'hui. Il faut plaît notre studio. Ah, absolument, absolument. Très bien. Alors, ça va, vous rassurez. Oui, je confirme. C'est toujours un plaisir d'être mais là parmi vous. Mais franchement, entre nous, hein, alors vous êtes le spécialiste des avatars d'ailleurs. Alors, est-ce que quand vous êtes au studio, alors il y a plein de monde derrière les caméras. Alors, croyez-moi, il y a des caméramans, etc., absolument. Que je salue. Ouais, et à qui je dis un petit coucou, parce que c'est lui qui est derrière cette caméra, c'est Foued. Alors, est-ce que vous imaginez Foued, on va dire, ou Habib, ou Mounaïm, ou alors en avatar? En fait, justement, l'optique, c'est pas de remplacer les personnes. Je peux tout à fait les imaginer comme ça, mais le but, c'est pas de remplacer l'humain, non, pas du tout. Mm-hmm. Le but, c'est de donner de la simplicité, c'est de rendre ça utile. D'ailleurs, pour continuer un peu, avant, il fallait ramener des personnes, il fallait un studio, et ça prend du temps et ça coûte de l'argent pour faire tout ça en termes de communication et tout. Mm-hmm. Aujourd'hui, avec notre service exclusif, d'ailleurs, on est le seul à présenter ce service en Algérie, on peut vous faire tout ça en deux jours. Hein, on peut faire tout ça en deux jours, en trois jours. C'est-à-dire, le temps est très important. Ça va d'ailleurs, être j'allais arriver, ça prend combien de temps pour réaliser, on va dire, un petit spot publicitaire D'une minute ou deux, parce qu'en fait, si ça dépasse, ça sera plus pertinent, les gens vont se déconnecter. Exactement, c'est-à-dire que là, oui. on fait des vidéos d'une minute trente, deux minutes, grand maximum. C'est des personnes, d'ailleurs, ça s'est passé sur le JT, ça s'est passé sur l'émission de la dernière fois à l'occasion de la journée de l'étudiant, où j'ai eu le plaisir d'en discuter. Avec notre collègue, avec l'excellent Nabil Nouy. Voilà, absolument, l'excellent Nabil Nouy. Et puis voilà, donc une fois qu'on a créé cette vidéo, c'est-à-dire une fois que le client nous a remis son speech, on va faire tout ça en deux jours avec un coût très, très pertinent, un coût très, 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 très étudié, un coût qui est bas comparé à ramener quelqu'un dans un studio et que ça va vraiment s'avérer très cher. Et là, on donne la possibilité aux entreprises algériennes, même s'ils sont des petites entreprises, de communiquer efficacement sur leurs produits et d'avoir un moyen de communication qui est pertinent, qui est récent. D'ailleurs, on va voir tout cela en images. Alors, il y a quelques images qui vont passer, justement. Excellent. D'ailleurs, vous allez devoir les commenter. Ok, voilà. Avec plaisir. Attendez, ôtez-moi d'un doute. Vous ne me voyez pas en avatar. Pas du tout. Très bien. Donc, nous, on continue en attendant de préparer. Voilà, ce sont des images. Allez-y, commentez. Voilà, donc là, c'est notre siège à Oran. Donc là, on reçoit les clients quand ils ramènent nos produits. En fait, au début, ce n'est pas un produit. Au début, c'est une suite de lignes, c'est plusieurs lignes. Parce qu'en fait, le client n'est pas censé faire ce travail. C'est à nous de faire. Il nous donne uniquement... Je vais vous donner un simple exemple qui est concret. Si vous avez, par exemple, un produit, comme on va dire, un robot en cuisine, vous nous donnez juste les specs de ce robot en 10 lignes et on convertit ces specs en vidéo. Ben c'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé sur ce qu'on était en train de voir. Oui, tout ça en un temps record, un coût réduit, un coût très important. Pardon. À vous souhaiter. Merci. Pardon. Donc, on remercie notre journaliste Khaira Boutaleb du service de l'information aussi, qui s'est déplacé d'ailleurs chez vous, dans votre siège, afin de nous ramener ces images pour voir un petit peu comment se passe la conception d'un spot publicitaire à base d'avatar. Alors vous,
Vous êtes le spécialiste des avatars. Est-ce que vous avez une, on va dire, celui qui crée des avatars, est-ce qu'il a une imagination débordante, on va dire, ou alors c'est à travers le texte ou à travers les personnes qui l'entourent qu'il imagine ses avatars? En fait, oui, il faut avoir de l'imagination, ça c'est clair, autrement on ne serait pas là. Est-ce que vous imaginez un avatar brun, une dame, oui, une dame brune comme moi, comme ça? On a le choix, oui, absolument, absolument, qui vous ressemble un petit peu. Mais qui ne va pas vous remplacer, rassurez-vous. J'espère. Certainement sinon, pas. Mon directeur, il va me dire, bon, Imen, c'est bon, à la retraite. Ou alors, sinon, j'allais envoyer un avatar à ma place. Donc. Ben voilà. En fait, voilà, nous donnons la possibilité aux clients de choisir leur propre avatar, leur propre personnage. On a une panoplie qui est déjà prédéfinie en fonction du teint de la peau, du teint ou de la couleur de cheveux. C'est comme vous voulez. En fait, ça peut être monsieur tout le monde, ça peut être quelqu'un qui est costumé, ça peut être un médecin avec un stéthoscope. C'est-à-dire, le client a libre cours là-dessus. Et ça demande aussi de l'imagination, ça c'est clair, parce qu'à travers un simple texte, on va imaginer toute une scène, on va imaginer tout un speech qui va mettre en valeur le produit de nos clients. Voilà. Ça ressemble un petit peu au, on va dire, attendez, est-ce que ça ressemble un petit peu au dessin animé? Ah non, pas du tout, en fait, parce que les avatars, ce sont des personnes qui sont, je vous dis clairement que vous pouvez, au jour d'aujourd'hui, on est capable de créer un avatar où vous n'êtes peut-être pas, vous n'avez pas la faculté de différencier l'avatar d'une personne réelle. Hein. Justement. Oui, c'est ça l'optique d'ailleurs. Et là, vous me tendez une très belle perche. Là, je vais vous poser une très bonne question, j'espère que c'est une bonne question. Est-ce que vous pouvez éventuellement, à travers la création de ces avatars, faire des clones? Des clones, vous voulez dire cloner quelqu'un? Ouais. Par exemple, je suis là devant vous et là vous imaginez mon avatar, on va dire, et vous allez créer un clone de Imen, quoi. Absolument. C'est Imen 2, quoi. C'est très simple. En fait, il suffit de vous prendre en photo. Donc on vous prend en photo, si le client le souhaite, on vous prend en photo. Ah, il faut faire attention avec les photos. Ah oui, en fait, ben voilà. Avec consentement, absolument. Oui. Donc on vous prend en photo, votre photo est convertie en avatar, et après on peut donner le speech qu'on veut à cet avatar. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que cet avatar va parler, quand je dis bonjour, bonjour l'Algérie, ça va se prononcer de la même façon, c'est-à-dire vous n'allez plus apercevoir, il n'y a pas de lacune, voilà, vous le prononcez tellement bien que, alors, que vous êtes inévitable. Alors c'est juste une toute dernière question, oui, je vous en c'est-à-dire prie. Quand vous créez des avatars, vous allez créer certainement la voix, le ton, absolument, les réactions. Oui. Alors, sous quelle base vous faites tout cela? Voilà, ça c'est une question pertinente. Vous n'allez pas apprendre ma voix, hein, parce qu'on me dit que j'ai une très jolie voix. Absolument, je confirme, mais je vous le dis, vous êtes inévitable. Merci beaucoup. Inévitable, je voulais dire. Merci à vous. Alors, j'allais dire qu'en fait, on a nos propres interfaces, on fait en train de la programmation, on se base sur l'intelligence artificielle. Pour concocter un produit qui est final, qui ressemble parfaitement à un être humain qui parle. Mais nous avons nos propres interfaces et nous utilisons de la programmation. Et puis voilà, si on fait tout ça, ça va aboutir à un produit de qualité qui est très pertinent. Et ça vous prend combien de temps pour la création d'avatar avec le son, l'intonation, la voix? Ça peut prendre 48 heures. Les réactions? Oui. On peut faire ça en deux jours, madame. Hein, ça, c'est clairement en deux jours, en 48 absolument, heures. En 48 heures. Mais attendez, à combien d'heures de travail? Ben, ça nécessite. Bon, quand on dit 48 heures, ça va pratiquement prendre concrètement 16 heures, voire 15 à 16 heures de travail. Alors, juste une toute dernière question, je vous en prie. S'il te plaît, Selma. Juste une toute dernière. Alors, est-ce que vous vous basez sur un dessin avant de créer un avatar? Est-ce que vous basez sur un dessin? Non, en fait, on ne se base pas sur des dessins. On se base sur des photos. Il y a des photos, en termes de programmation, il y a des photos de vraies personnes. On se base sur ces photos pour les convertir en images, en vidéo, et pour les rendre vivantes. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait des dessins. En fait, le client aussi a la possibilité de remplacer cet avatar
par une mascotte, parce qu'il y a certaines marques, eh oui. Voilà, ils ont des mascottes, ils ont des logos qui se ressemblent un peu. Et voilà, donc on peut, au lieu de mettre une vraie personne, on peut mettre une mascotte qui parle encore une fois d'une manière, d'une spontanéité, d'une tonalité, d'une manière très naturelle. D'ailleurs, et des fois, quand on entend cette belle voix, ce sont de très belles voix. Oui, absolument, c'est le but, parce que le but, c'est de captiver l'attention de nos clients, ou des internautes de nos clients. Donc voilà, je vous dis, à Smart Consulting, on est smart, on fait tout. Voilà, vous êtes smart, quoi. Tout en étant modeste, bien entendu. Attendez. Alors, et là, vous me dites que l'intelligence artificielle ne prend pas de terrain. Elle avance très vite. Hein, moi, je pense une vitesse incroyable. Oui, moi, je pense qu'à un moment donné, ça sera inévitable. C'est comme les téléphones mobiles. À un moment donné, on voyait pas l'utilité. Maintenant, on vit avec. Et pareil, ça va être à un moment donné. On dort avec. Absolument. On dort, on se réveille avec. On mange avec. Alors, on mange avec, exactement. Absolument. Donc, à un moment donné, je pense que ça va rentrer dans notre vie de tous les jours. Et ça va être un must et ça va être utilisé. Bon, ça va pas. L'optique, c'est pas de remplacer encore une fois les métiers des gens, mais plutôt c'est de l'optimiser. On ne peut pas, on va dire, remplacer notre réalisatrice Aïcha Talhaoui. Absolument pas. Impossible. Ça, c'est un petit coucou à Aïcha Talhaoui, notre réalisatrice aujourd'hui. D'ailleurs, qu'on remercie. Elle est là à nous soutenir, elle est là à nous encourager à travers la petite oreillette que j'ai. D'ailleurs, donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci et pour bonne continuation. Tout et plaisir puis pour moi. À vous et à votre équipe qui vous accompagne et qui vous aide, on va dire, à créer des avatars, on va dire, et leur donner vie, voilà, dans les, on va dire, dans le sens informatique. Absolument. Tout plaisir était pour moi, madame. Très bien. Merci beaucoup. Alors, et là, je vais vous emmener avec moi pour suivre un sujet, justement, fait par notre journaliste, rédacteur en chef, Nebi Nouhi, et lecture Selim Skandar sur la préhistoire de la wilaya de Tiaret. Excellent. Et on se retrouve juste après. Merci. À travers les sites archéologiques de Tiaret, l'histoire de l'humanité n'est guère le fruit de l'imagination, tant les sites témoins du passage de plusieurs civilisations sont nombreuses, et tout s'invite à un voyage dans le temps. Le travail laborieux et détaillé des historiens et des archéologues a permis l'écriture de l'histoire chronologique de l'évolution de l'homme dans cette région reculée de la Méditerranée. Notre halte, comme marcher sur les premières traces du premier homme, Colonnata, près de la région de Sidi Lusna. هذا الموقع عبارة عن مقبرة تعود إلى العصر الحجري القديم. اكتشف هذا الموقع من طرف الباحث الفرنسي بيير كادنا سنة 1937. منذ ذلك التاريخ إلى غاية 1961 وهو يقوم بحفريات في هذا الموقع. اكتشف من خلالها حوالي 116 هيكل عظمي من بينها 68 هيكل عظمي تعود لأطفال و 48 هيكل عظمي يعود للبالغين الموقع صنف سنة 1968 وهو حاليا تابع أو تحت تسيير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية الذي يسهر على حمايته وتسييره. Notre périple s'est poursuivi jusqu'aux traces ingénieuses de Bikef Boubker, lequel considérait comme le premier homme de l'histoire de Tiaret, où le nombre important des gravures rupestres relate le quotidien de l'homme préhistorique et son évolution. الموقع الأثري كيف بوبكر متواجد بضواحي دائرة الدحمولي على بعد حوالي 25 كيلومتر من منطقة تيرت هو عبارة عن مخبأ من الحجارة الرملية بارتفاع 13.5 متر وامتداد 25 متر هذا الموقع هو عبارة عن صخور أو رسومات صخرية تمثل العديد من الأشكال والحيوانات التي سنتطرق بها على مراحل من المعروف أن هذه الرسومات الصخرية تعود إلى العصر الحجري الحديث
وقد قسم الباحثون هذا العصر إلى 5 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة صيادين، المرحلة الثانية هي مرحلة البقريات، المرحلة الثالثة مرحلة الأحصنة التي تتمثل في الأحصنة والفرسان والعربات، المرحلة الرابعة هي مرحلة الجمال، وهنا الأشكال تبدو أكثر جمادا من سابقتها. آخر مرحلة هي المرحلة البربرية الليبية. هذه المرحلة عبارة عن أشكال تجاورها بعض الرموز أو بعض الكتاب. فبدون شك أن الموقع استقر به مجموعة من البشر لمدة طويلة لتمكينهم من là, une balade à travers Tiaret et sa préhistoire. Donc, un très, très beau sujet signé Nebin Noubi, notre rédacteur en chef et ami et bien sûr journaliste de la production et lecture Selim Skandar. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, alors nous avons 3 bouts de femmes, chacune dans son domaine. Alors, il y en a qui sont stressées hein, à côté. Donc, je vais vous dire, on va essayer de les déstresser un petit peu. Donc, je leur dit, on est cool chez nous, c'est cool. Donc, alors, elles ont organisé, un petit événement qui est devenu grand, parce qu'à travers les années, c'est la 3e édition de ce grand événement. Donc, c'est la Gada Wahraniya. Alors, la Gada Wahraniya, elle est présente aujourd'hui, du début jusqu'à la fin de l'émission. Alors, à travers cet événement, c'est la conservation des rites et des traditions, oranaises surtout. J'espère que je ne me trompe pas. Non. Très bien. Alors, nous avons avec nous pour en parler, alors l'une des organisatrices de cet événement, c'est Asma Forour. Bonjour. Bonjour, Imane. Ça va? Très bien. Ça y est, c'est bon, le stress est parti? Ça va, ça va. Ça y est, très bien alors. Ça va? Bien. Ça va, tranquille. Très bien. Alors, vous n'êtes pas seule puisque vous êtes accompagnée de Safa. Oui, merci. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors, merci vous, vous êtes dans le décor algérien. Oui, on peut dire ça, comme ça. Très bien. Très voilà. Bien, Marhababik. Et bien sûr, celle qui a confectionné de très belles blouses. Alors, le blaze magnifique avec blouse de mensouge et blaze oranaise. Donc, c'est Madame Ilham El-Aziri. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Très bien, merci. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Vous avez le même prénom que ma sœur, Ilham. J'aime bien. Très bien. Donc, on va parler de cet événement. Parlez-nous un petit peu de la préparation d'un événement aussi lourd, parce que là, quand ça parle de rites et de conservation des traditions, surtout oranaises, vraiment, c'est très lourd. Oui, oui, c'est très lourd. Donc, en fait, avec notre événement, on essaie un petit peu de raviver les traditions qu'on a oubliées
d'autres fois qu'on a oublié nos grand-mères et tout ce qui est les mariages, les gada et tout. Ah oui. Et aussi avec la blouse, on va dire, nous on dit blouse oranaise à l'honneur, mais hier c'est une tenue traditionnelle algérienne qui est typiquement de l'Ouest parce qu'on la retrouve un peu partout. Donc voilà. Très bien. Alors, c'est d'ailleurs, vous, Esma Fourour, vous êtes l'une des organisatrices. D'ailleurs, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que vous êtes jeune et vous organisez un événement qui est en rapport avec la conservation des anciens rites et traditions. Alors, qu'est-ce qui vous a amené l'idée? Comment est venue l'idée pour ces jeunes femmes afin d'organiser un événement pareil? Le Gada al-Wahrani, oui. C'est Ihya al-Turat al-Wahrani. C'est vraiment, en fait, on aime notre pays et on a beaucoup de traditions et de belles traditions. Surtout, on va pas dire le Ouest, mais vu qu'on est à l'Ouest, donc les régions de l'Ouest et précisément en rang. Donc, et on n'arrive pas à les retrouver de nos jours dans nos mariages et tout. Effectivement. Donc là, on essaie, comme je l'ai dit précédemment, de raviver un petit peu les cultures pour les générations à venir qui... on a peut-être assisté à ces traditions et tout, mais eux, ils n'ont pas eu l'occasion. On avait les mariages traditionnels dans les... Alors racontez-nous un petit peu un mariage traditionnel orané. Ben, les mariages traditionnels oranais, c'était généralement dans les terrasses. C'était la terrasse. C'est ça le charme. C'était ça, exactement. Parce que ce sont les personnes, les tantes, les cousines qui sont là. C'est elles qui préparent à manger. C'est elles. C'était convivial. Oui. On commençait les gâteaux très tôt, 15 ou 20 jours, ou des fois un mois à l'avance. Hein. Oui. Ce sont des kilos et des kilos. Alors, Syria, Taïlouz, Badek. Alors, ils naquent le loz, etc. Ils le mettent à sécher sous le soleil. Ensuite, c'est tout un travail, on va dire. C'est toute une logistique derrière. Exactement. Et il y a un seul capitaine à bord. Exactement. Donc, il donne les ordres et voilà. Donc, ça, ce sont les bonnes traditions et coutumes. Oui. C'est ça les traditions qu'on a oubliées, au fait, qu'on fait plus de nos jours. C'est dans les salles et tout est préparé, le traiteur. En fait, on fait rien du tout. Alors qu'autrefois, c'était un mariage 7 jours et 7 nuits. C'était 7 jours et 7 nuits où la famille allait. Et c'était vraiment fatigant. C'était fatigant, oui. Voilà, oui, on avait, en fait, toute la famille et tout l'entourage, même les voisins étaient là, leurs maisons sont ouvertes pour le mariage. Donc, on n'arrive pas à retrouver ça, au fait. Effectivement. Donc c'est ça le but de l'événement. C'est un peu le but de l'événement. Bon, on n'arrive pas à retrouver ça. On ne peut pas faire comme comme autrefois dans les maisons et tout. Bah oui. Mais on essaye de raviver avec tout ce qui est... Aussi dans les mariages, on retrouve le meddahat. D'autres fois, il y avait le meddahat, le gada et tout. Donc on essaye de vraiment de transmettre ça aux générations à venir. D'ailleurs, là, vous me tendez une très belle perche parce que quand ça parle de meddahat, ce n'est pas du tout ni vulgaire, ni pas bien, ni... Pas du tout. C'est un groupe de femmes, d'ailleurs. De femmes qui chantent. Voilà. Ce sont qui chantent et qui... Donc ce sont des chants religieux interprété avec tabela, on va dire le violon, rebab, etc. Donc le chikcheka, on va dire. Surtout chikcheka. Là, oui. Vraiment. Alors, moi, je me rappelle de chikcheka avec les bouchons de limonade. Exactement. Donc ça va, la Nigeria tachia. Ça va. Très bien. Donc, quand on parle de l'organisation, vous avez avec vous, d'ailleurs, Madame Safa Hoho. C'est oui. Ça. Alors vous. Vous êtes dans le nom de Luna Evans. Très bien. Alors, vous êtes dans le décor algérien. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce décor algérien que vous avez essayé de reprendre lors de cet événement? Bah, écoutez, déjà, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Et j'essaye à chaque fois de mettre en valeur cet événement qui dégage un esprit, on va dire... Algérien, orané. Exactement. Donc à chaque fois on change, c'est-à-dire on met des coins de photos pour les femmes habillées, c'est-à-dire en blousa. En blousa. Donc voilà.
Très bien. Alors, et le décor, on va dire, de l'endroit où vous allez faire justement cet événement, il est comment? Avec quelle couleur? Après, c'est des salles de mariage, on va dire. Mm-hmm. Aussi, on peut, parfois, on utilise les extérieurs, les terrasses, tout ça. Mm-hmm. Donc, voilà. Je base sur le chemin, le défilé. Mm-hmm. C'est-à-dire pour mettre, qui m'a dit, les blouses alwahaniens en valeur. Mm-hmm. Aussi, le coin Mdahat. Il est toujours présent. Alors, le coin Mdahat, on dit que le Mdahat, donc, elle n'aime pas être sur un fauteuil. Elle préfère le gada par terre. Donc, non, on donc, adapte. Comment vous décorez justement ce coin Mdahat? Un truc traditionnel, nahas, tout ce qui est cuivre, gada, l'art. Vous voyez, donc, toute l'ambiance qui fait rappel Le matelas, le haïdoura, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas à ce point. Ben oui, malheureusement. Oui, bien sûr, parce non, que ça a quand même disparu un petit peu. Voilà. Donc, ouais. Mais ça reste gada traditionnel qui donne l'aspect orané. Mm-hmm. Voilà. Et vous vous basez sur les matelas, c'est ça? Oui, oui. On peut dire ça comme ça. Et les couleurs cette année? Cette année, ça va être des couleurs pastel, très claires, mm-hmm. pour faire ressortir les belles. D'ailleurs, couleurs. On est en train de voir justement. Voilà, oui. Est-ce que c'est ça pour cette année ou alors non, c'était ça, l'année dernière. Ouais, c'était l'année passée. C'est la deuxième édition. Oui, c'est la deuxième édition. Donc, le coin, c'était pour Mdahat. Voilà, donc. C'est très joli, par contre. C'est merci. C'est un style typiquement orané, avec des sidéris comme ça. On a, parce que déjà. Très net, très clean, très simple, on va dire. Voilà. Donc, vous jouez sur la simplicité, vous, et sur tout ce qui est pastel. C'est-à-dire. Oui, parce que c'est pour que ça passe avec tous les goûts, en fait. Parce que dans la scénographie, on parle toutes les mentalités, tous les goûts. Donc l'ambiance, on doit s'adapter avec toute l'ambiance. Très bien. Et là, quand on parle justement de cet événement, on ne peut pas contourner la blouse ouharaniya. Impossible. Parce que la blouse ouharaniya, elle est toujours présente. De toutes les façons, c'est un costume ourané, de la femme ouranaise. C'est un costume, d'ailleurs, que portaient nos grands-mères, nos aïeules, chez elles, à la maison. Il y a le blousa pour le ménage, il y a le blousa pour les sorties, il y a le blousa pour les mariages. Pour les ans. Exactement, même l'Aza, ici aussi. D'ailleurs, avec du smock, avec la broderie africaine, exactement. Etc. Blouse tloukar, voilà. Exactement, blouse tloukar. Nous, on l'a, c'est vrai, à Oran, on l'a. Blouse tloukar, elle y est d'ailleurs, comment on dit, alors je vais le dire en arabe, parce que là, le français, c'est bon, ça ne marche pas dans nos traditions. Hein. Donc, blouse tloukar, blouse tloukima, blouse tloukarja, tloukhammem, alors là, c'est que vraiment, nous, à Oran, l'arros al-wahraniya t'kharij dans les 6 à 7 blazes minimum. Oui. Il faut le dire. Ce n'est pas comme dans les autres régions, Wahda ou Lazouj, ça suffit. Mais chez nous, c'est que vraiment, il y a une panoplie de blazes et surtout le blouzat al-mansouj. Elle dit l'incontournable. Donc, nous avons avec nous une styliste déjà, c'est Ilham El Aziri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Oui, avec Saha pour les très belles blousas. D'ailleurs, on voit, comme on dit en oranais, Sder, magnifique. D'ailleurs, on voit cette blousa noire qui est très belle. Dans le Parme, d'ailleurs, et la blousa de Mensouche que vous portez si bien. Donc, parlez-nous un petit peu de l'émancipation de cette et la transformation de cette blouse. On essaie toujours de, comment dirais-je, revisiter la blouse ouranaise, mais on garde toujours notre tradition. Par exemple, la blouse qu'elle porte Imen, oui. Asma plutôt, c'est une blouse ouranaise avec un col bateau ramassé. Mm-hmm. Elle contient des strass, pas comme avant. Avant, on faisait la blouse juste avec mejboud ou bien
la broderie africaine. Effectivement. Le smock. Le smock, le nid d'abeille aussi. Voilà, maintenant, c'est le perlage qui a changé. D'accord. On utilise. Et vous, vous vous intéressez beaucoup plus à la blouse ouharania ou alors vous faites d'autres costumes algériens? Je fais d'autres costumes, mais je suis beaucoup plus blouse ouharania. Et vous avez fait une formation de couture? Oui. Combien de temps? Un an et demi. Et vous organisez des événements, vous organisez, est-ce que vous participez, on va dire, à des événements avec des modèles, oui, on va dire, de nouvelles collections? Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes dans le traditionnel que vous modernisez ou alors c'est carrément la blouse moderne? Non, moi je suis le goût des clients. Mm-hmm. Donc il y a des fois des clients qui préfèrent la blouse traditionnelle. Et il y a d'autres qui veulent, qui aiment la nouveauté. Moi, je suis en train, vous êtes en train de me parler, et là, je suis en train d'imaginer une blouse avec un nid d'abeille, mais modernisée. Comment vous le voyez-vous? Moi, je vois avec le nid d'abeille qui est perlé, on va dire. Oui, c'est une magnifique. Oula, ça sera alors, une magnifique blouse, oula. Alors, je vous donne une petite idée. Ben, essayez de le faire, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même un choix de tissu qui est magnifique. Donc, essayez un petit peu de nous créer une blouse avec un nid d'abeille perlé. Donc, et je vous attends. Inch'Allah, d'accord, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, il y aura combien de modèles qui vont être, on va dire, montrés lors de cet événement? 23. À 23. Oui. Très bien. C'est parfait. Donc avec une variation de modèle. Mensouge, blouse à oranaise, même le style robe blouse qui est nouveau. Mm-hmm. Robe blouse. Oui. Elle est comment la robe blouse? On fait pas des élastiques. D'accord. Elle est cintrée avec une découpe. Très bien. Mais toujours le col est présent. Ah, très bien. Alors, donc, merci et bon courage. Merci. Merci, mesdames. Merci. Alors, les bouts de femmes, elles vont organiser un événement le 26, vendredi, c'est ça? Le vendredi donc, prochain, Inch'Allah. À partir de quelle heure? À partir de 13h. À partir de 13h, juste après Salat al-Jumma. Oui. Très bien. On va dire donc, 14h. Voilà, midi, voilà, 13h, 14h. On va dire 14h à partir de 14h, oui, puisque Salat al-Jumma, c'est avant, c'est juste avant. Donc voilà, donc vous êtes conviés, si vous êtes à Oran, donc vous êtes conviés à assister à cet événement typiquement traditionnel afin de découvrir, de redécouvrir des rites et les traditions oranaises. Il y aura le berkoukes, il y aura ta'am, il y aura quoi? Non, il y aura des gâteaux traditionnels. Oui, très bien. Voilà, les gâteaux torno. Non, tout ce qui est griwesh, maharod et tout. Ah, très bien. Très bien. Voilà. Donc, merci mesdames. C'était merci un plaisir vous, et bon courage. C'est un plaisir partagé. Inch'Allah. Plaisir. Et puis, à très bientôt avec la blouse au nid d'abeille avec des perles. Promis. Ben voilà, elle a promis. Hein. Devant des millions de téléspectateurs de Brelasek. Très bien. Alors, la dernière ligne droite. Alors, une chanson, une pause musicale et on se retrouve juste après avec la chronique. ترجع في مجيك سيدي كنت نظن تجي وتعاود فإذا ما بيك سيدي يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيد حمد صلى الله Thank you.
كيف الايام نصرد لو صابت نجاهك سيدي يا عين الرحمه محمد يا عين الرحمه محمد يا عين الرحمه سيد حمد صلى الله عليك سيدي الذكر سباب كل خير الذكر سباب كل خير مدى فرط صفر وقات الخالية دعت لي مكين دين نغنم وقتي اليوم نذكر بني. Eh bien, quand il s'agit de traditions et coutumes, nous, on finit avec, alors, avec un instrument de musique qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine, puisque c'est la semaine de la cuitra. Alors, un instrument de musique qui fait partie des instruments algérien, pas uniquement d'une seule région. Et bien, pour parler de cette semaine de la cuitra qui se passe à Tlemcen, bien, nous avons avec nous l'organisateur Djelloul Ben Khalfat. Bonjour. Bonjour. Ça va? Imen, ça va très bien. J'espère que vous allez bien. Et merci moi, ça beaucoup. Va aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être dans le plateau de Bonjour d'Algérie. Merci, le plaisir est partagé. C'est toujours un plaisir de recevoir des personnes qui nous viennent un petit peu de par-ci et par-là, on va dire de Tlemcen, la perle du Maghreb. Exactement. Et aussi d'une très belle wilaya qui est juste à côté, à 100 km, même pas 100 km. Même pas, 80 km. 80 km, c'est Sidi Blabès qu'on surnomme le petit Paris. Exactement. Je ne me trompe pas. Exactement. Voilà. Alors, nous avons avec nous alors, le jeune musicien Nassim Batsi. Bonjour. Bonjour, bonjour Iman. Ça va? Merci, ça va, alhamdoulilah. Vous allez bien? Ça va, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Eh ben c'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté, puisqu'on va parler un petit peu de l'organisation de la semaine de la cuitra. Pourquoi avoir choisi déjà cet instrument de musique? Alors, c'est un instrument très, très particulier. En fait, les choses particulières, elles sont un peu rares. Et les choses rares, en fait, elles vaut la peine d'être mises en valeur. Et expliquer lors de cette semaine sur Andalusna, parce que l'événement se déroule sur la page Andalusna sur Facebook, voilà. Donc on a pu connaître cet instrument, connaître ses secrets, découvrir sa beauté. Donc c'est un événement qui arrange les musiciens, qui arrange les abonnés. Parce que ça se passe sur le net. Oui, à 100%. Mmh. Mmh. Voilà, c'est à 100% sur le net. On a défini un programme. Tous les soirs, on fait passer des vidéos, parfois des interprétations et parfois des explications. D'ailleurs, avec ce concept, vous m'aviez un petit peu replongé dans une période par laquelle le monde entier est passé, par la période du Covid. Exactement. Donc, on faisait, il y a les chanteurs, des artistes qui Exactement. Faisaient des concerts en ligne. Et puis, ça m'a fait un petit peu rappeler Exactement. Tout cela. Exactement. Donc, lors de la période de Covid, on a organisé des festivals comme ça, dans ce sens, mm-hmm. des interprétations chacun chez soi. Et après, on a vu que c'est un concept qui arrange même dans la thématique. Donc, on est resté sur ce chemin. Mm-hmm. Et là, ça nous permet d'organiser des semaines, d'organiser des festivals. Tout en, voilà, avec les moyens du bord. Alors, il y a eu la participation de combien d'artistes qui ont adhéré à cette idée de plateforme de semaine? Oui. Alors, les passages individuels, on a eu jusqu'à maintenant 8 passages. Ah, ben, Et l'événement, il va se dérouler jusqu'à jeudi à 21h, où il y aura jusqu'à le demain. Passage du collectif des jeunes artistes sous la direction de M. Nassim Batsi. Oui. En fait, ils vont nous faire une interprétation très très particulière parce qu'on va faire un 3 en 1, c'est-à-dire la cuitra, les istikhbar et aussi tzouiqat dans la musique andalouse. Donc tzouiqat, c'est des phrases musicales instrumentales rythmiques oui. qui sont faites pour dynamiser un peu l'istikhbar. Généralement, on les retrouve entre la deuxième partie et la troisième partie.
partie de l'Istikhbar. Donc on va les découvrir aussi grâce à M. Nassim Bati. Donc Iman, je vous le dis. Je suis contente de le recevoir sur le plateau parce que j'en ai beaucoup parlé de, entendu parler de vous. D'ailleurs, et quand M. Djelloul Ben Khalfat m'a donné votre nom, je me suis dit, ah, enfin. Donc je vais rencontrer cet artiste quand même. Merci. Alors, on dit. Le plaisir est pour moi. Ben merci. Alors, on dit que cet instrument de musique, la cuitra, c'est typiquement féminin. Comment se fait-il qu'on le trouve entre des mains masculines? Je pense que c'est un instrument qui appartient à la gente féminine comme à la gente masculine. Mmh. Après, peut-être que vu la finesse de cet instrument, et on peut... Quelle est la spécificité de cet instrument par rapport à d'autres? Bon, c'est un instrument typiquement algérien, je dois clarifier. Donc, on a quatre cordes qui sont doublées. Généralement, les cordes sont faites de boyaux, mis à part le quatrième, le sol. On peut l'avoir en nylon. Donc, on a la table d'harmonie avec la rosace qu'on appelle noara. Et puis, on a la caisse de résonance. Donc, la particularité de cet instrument, c'est qu'il a un son un peu velouté. Et on le retrouve chez la plupart... Harmonieux. C'est aussi un instrument... On peut dire que c'est aussi un instrument rythmique parce que des fois, c'est grâce à la kouetra, lorsqu'il n'y a pas de percussion, qu'on arrive quand même à distinguer le mizan. Mm-hmm. Le mizan, ce qu'on appelle mizan. Oui. Donc, il accompagne généralement. Et il y a eu aussi des sommités, le kouetra, comme Cheikh Boudalfa, Cheikh Mohamed Ben Smaïn... Cheikh Omar Bakhchi, aussi Mustafa Boukhoujaou. Et d'ailleurs, lui-même, il eut comme élève mon grand-père, Lahmo Esmet Khalfat, et Amin Khalfat, qui est d'ailleurs qui est déjà venu ici, et ses fils aussi, Rifal Mahmoud et Anis. Oui. D'ailleurs, c'est eux qui ont quand même recadré mon travail à la Kouitra. Ils ont toute ma gratitude et ma reconnaissance. Anis, Rifal et aussi Rassim Abdallah, qui est un excellent musicien, un excellent kiatri, ainsi que Hajj Boukhoujaou. Disons que tout ça pour dire que cet instrument n'appartient pas qu'aux filles. C'est mixte. Exactement, c'est mixte. Voilà, donc, et vous êtes en train de préparer justement un petit concert en ligne demain. Avec combien d'artistes? Alors bon, on a choisi juste quelques musiciens du collectif des jeunes musiciens, le CJM. Donc il y aura les deux percussionnistes, c'est-à-dire Delbouka et Lothar, ainsi que les deux qui attirent, Rassim Abdallah, il est musicien d'ailleurs avec Lila Borsali, et Zakaria Mjdoubi. Ils seront accompagnés donc par quelques membres du collectif des jeunes musiciens. Donc il y aura l'alto, il y aura moi à l'alto, la jeune Wahiba Ben Osman à la mandoline, et Riyad Talib à la Delbouka, ainsi que Youssef Rahim au tar. Ah ben, ça va être certainement très joli. De toutes les façons, on sera en ligne, nous aussi, sur Andalusna, afin de suivre, on va dire, cette belle interprétation d'un groupe d'artistes, de jeunes artistes qui vont nous interpréter de très beaux textes, on va dire. Donc, on finit notre émission avec l'interprétation de Nassim Bati pour vous dire un petit au revoir, on va dire, on va dire au revoir à nos chers amis téléspectateurs en ce mercredi. On se donne rendez-vous le mercredi prochain. Alors, nos invités, bon retour à Tlemcen et merci. Bonne continuation. Merci. Donc, Nassim Bati, je vous laisse avec. Merci. Parce que nous, on finit toujours en musique. Hein. Bien sûr, merci. Très bien. Et je salue tous nos cadreurs et bien sûr, notamment Faisal qui est juste devant moi. Donc, Faisal, alors lui, il m'a dit Goulti Homga. Sauf moi. Donc voilà, Faisal. Donc voilà, au revoir et on se donne rendez-vous le mercredi prochain. Bon week-end, au revoir. Je vais interpréter un Salaf Mukhlas Mjinbao. J'ai ajouté quelques rectifications par rapport au temps. Donc, voilà. Allez-y.